nous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver pour pouvoir communier autour de la parole. Et comme nous l'avons toujours dit, la parole c'est Dieu. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Quand tu as la parole, tu as toutes choses. Voilà pourquoi la parole qui vient de Christ donne la foi. Et cette foi est capable de déplacer les montagnes qui s'érigent au devant de toi. Il faut croire, car les problèmes qui viennent devant ta vie, ce sont les montagnes. Et le Seigneur a dit, si tu as la foi, tu ordonneras cette montagne pour pouvoir se déplacer et aller dans la mer. Donc tu prends le problème, tu donnes ça à la mer. Nous allons sans plus tarder lire les Écritures. Nous lisons dans le livre des Cantiques des Cantiques, au chapitre 8. La Bible dit ceci, je pense au verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Hou me dicht tegen je aan, ik wil altijd in jouw armen blijven. Want de liefde is zo sterk als de dood. De hartstocht laat niet meer los, net zo min als de dodenrek dat doet. Het vuur van de hartstocht brandt met hete vlammen, door de Heer ontstoken. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Geen water kan de liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. Zelfs als iemand al zijn bezitting bood in ruil voor de liefde, zou hem dat niet baten. Met minachting zou hem de deur worden gewezen. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? We hebben een klein zusje, zij heeft nog geen borst. Wat moeten wij doen als op een dag iemand om haar komt? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Als zij zich in reinheid bewaakt, zullen wij haar daarvoor prijzen. Maar als zij zich te gemakkelijk geeft, zullen wij dat verhinderen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. De lecture van het woord zegt. Nous avons vu la fois passée. We hebben de vorige keer gezien. Que le cœur doit être réellement scellé afin que aucune autre pensée ne puisse réellement prendre place. Et il fallait que ce qui est dans le cœur soit manifesté dans nos œuvres. Voilà pourquoi l'homme dit, zegt de man, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, bezegel mij als zet me als een zegel in jouw hart, et comme un sceau en als een zegel sur ton bras, op jouw arm. Le cœur est le siège des pensées, dus het hart is eigenlijk de zetel van alle gedachten. Et ce sont les pensées qui se transforment en œuvre, en acte. En het zijn eigenlijk de gedachten die zich in daden transformeren. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions purifier nos pensées et comment les purifier. Parce que la parole dit,
sanctifie-les par ta parole, gloria al Señor, car ta parole est la vérité. Donc, lorsque nous pensons parole, lorsque nous inondons nos pensées de la parole, nous purifions nos pensées, nous purifions notre cœur, nous gardons notre cœur loin des pensées humaines, loin des désirs de la chair. Voilà pourquoi on recommande à ce que vous puissiez écouter de la musique de Dieu, écouter les cantiques, parce que ça te permet de te garder dans les pensées de Dieu. Écouter les prédications, les enseignements. Et aujourd'hui, avec le moyen technologique, nous pouvons le faire. Donc, faire plus des cantiques et des prédications et moins des choses qui nous concernent. C'est comme ça que tu vas te préserver. Et tu vas voir que ce qui te préoccupe, ce qui était comme ton péché, que tu voulais te débarrasser, va pouvoir réellement se débarrasser de manière facile. Mais si tu es tout le temps dans les choses mondaines, même si tu as envie de pouvoir te séparer de cela, tu seras mis. C'est comme ça que mon pasteur me prêchait pour me montrer que quand tu satisfais la chair, tu as des difficultés de pouvoir servir Dieu. Il disait, si tu manges un gros fruit, un trop gros fruit, tu es trop rassasié. Mets toi maintenant à genoux pour prier. Tu vas voir que tu vas commencer à dormir à tout moment. Pourquoi? Parce que tu as trop mangé. Donc le fait de beaucoup manger t'empêche de pouvoir réellement prier correctement. C'est de cette manière que tu vas commencer à pouvoir réellement comprendre que la satisfaction de la chair est contraire au désir de l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils prient beaucoup, mais ils ne changent pas. C'est simplement parce que, après avoir prié, il est attaché au monde par les pensées, par les causeries, par l'ambiance. C'est le monde. Donc il aura plus les valeurs du monde, mais il est plus de Dieu. Est-ce qu'on voit? Par contre, si ton environnement, c'est l'environnement de la parole, tu auras les réflexes de la parole, les réflexes du monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'amour est fort comme la mort. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie. Donc il a compris que l'amour pour nous valait sa mort. Voilà pourquoi il n'a pas hésité de mourir. Parce qu'il a compris que c'était l'expression de l'amour. Et c'est comme ça que nous disons, si tu aimes Dieu, tu dois mourir par rapport au monde. Et c'est ça le grand amour que tu veux manifester pour Dieu. Si tu ne meurs pas, tu auras des difficultés de pouvoir donner ta vie pour le Seigneur. Donc la seule façon est de pouvoir réellement t'attacher au Seigneur et vivre la parole du Seigneur, c'est de pouvoir réellement mourir. Mourir, cela voudrait dire aussi ne pas t'attacher aux choses de la terre, que cela
ne te fasse rire. Je prends les exemples. Quand j'étais encore vous allez voir que je vais regarder un match. Je ne suis même pas footballeur acteur là-bas. Ni dans le comité de soutien. Mais quand mon équipe paye, le président de l'équipe lui mange. Toi tu ne manges pas. Est-ce que vous comprenez? Comprends que quand ça te fait ça, tu es attaché au nom à la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je t'ai conseillé peut-être comme notre père. Notre maman était comme ça, elle est bien. Elle regarde, vous regardez le match là. On marque un but, après c'est tout. Oh, et l'équipe qu'on a marqué, nous aussi marqués. Comme ça, chacun doit marquer. Nous, on était mécontents. Pourquoi? Parce que quand notre équipe a marqué, on ne veut pas que l'équipe adverse marque. Het vuur van de hartstocht,
brandt met hete vlammen door de Heer ontstoken. Donc la jalousie, is de jaloezie of de hartstocht? C'est le fruit de l'amour. Is aan de fruit van de liefde. De fruit van de liefde. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, je veux iemand houdt, tu ne voudras pas dan ga je niet willen partager son amour avec quelqu'un d'autre. Met iemand anders. C'est ce qui produit la jalousie. Dat produceert eigenlijk een jaloezie. Et Dieu est jaloux. God is jaloers. Voilà pourquoi il zegt. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Andere God hebben voor mij. Dans le livre d'Exode, in het boek van Exodus, chapitre 20, Exodus 20, il dit au verset, je peux commencer au verset 3, vers 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je mag geen andere goden aanbidden dan mij. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Je mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of boven beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heer, ben een jaloerse God die de zonde van de vaders toerekent aan de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van hen die mij haten. Donc, si tu amènes un autre Dieu dans ta vie, als je een andere God in jouw leven, Dieu sera jaloux. God gaat jaloers. Parce qu'il ne veut pas que devant sa face, hij weet niet dat er voor, in zijn gezicht een andere God is. Or, vous allez comprendre que hein, dit, frère, les dieux qui se sont, que les autres nations se sont faites, venaient de leur pensée. Voilà pourquoi il a dit, zijn, vous ne devrez pas vous faire des représentations, des choses qui sont dans le ciel, ou dans les eaux. Et vous n'allez pas vous prosterner les gens. Je dois encore une fournir. Et ainsi vous allez comprendre. Zo ga ik begrijpen. Que Israël, Israël, pour pouvoir réellement établir que tu es idolâtre, te zien of je, als je, of je idole vereert, tu dois faire une statue, dus is een beeld, ou te prosterner devant un arbre. Ou les étoiles du ciel, de sterren van de hemel. Mais nous comprenons aujourd'hui que le Seigneur démontre que tout commence par la pensée. Et ainsi, comme la parole dit que au commencement était la parole, la parole était Dieu. Nous comprenons que aujourd'hui, quand vous changez la parole, vous êtes devant un autre Dieu. Et Dieu est jaloux. Et voilà pourquoi les gens qui disent que nous avons donné l'autorité à la femme de pouvoir en s'émancer. Et pourtant la femme ne peut pas en s'émancer. On vient de voter la loi en France pour assister les femmes. Parce que le bras est bon, on a fait la loi, tout le monde va en profiter. Ça a été fait, mais iedereen gaat ervan profiter. Donc, ceux qui n'ont, les couples qui n'ont pas la possibilité d'avoir les enfants naturellement, on peut les assister. Je peux t'y assister. La loi était pour le couple hétérosexuel. Pour un hétérosexuel couple. Voilà, donc on sait que l'homme ou la femme a le problème, on va les assister. Mais quand les femmes votent la loi, même les femmes israéliennes vont profiter. Oui, deux femmes ne peuvent pas s'émanciper. Donc la nature elle-même, la nature démontre que la femme ne peut pas porter la semence. Or la semence parle de la parole de Dieu. Et ainsi, tu allais comprendre. Parce qu'ils ont imaginé dans leur tête,
que quand la femme est intelligente, vous allez aller voir votre frère intelligente, peut ensemencer le peuple de Dieu. Le pour le commandant de trop par contre, le Dieu va les détruire. Parce que c'est un Dieu jaloux. Écoutez ce que la Bible dit sur votre porte, dans Proverbe chapitre 6, Sprüche 6. Proverbe chapitre 6, Sprüche 6. Au verset 34, vers 34. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Schande en schande zijn zijn deel, zijn baan en wandaad wordt niet meer vergeten. Le Seigneur dit, de Heer zegt, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Jullie zullen geen andere God hebben voor mijn gezicht. Vous n'allez pas obéir ou vous prosterner servir ces dieux. Jullie gaan geen andere goden eigenlijk aanbidden of dienen. Et Dieu est la parole. God is het woord. Donc on ne peut pas avoir une autre parole si ce n'est que la parole de Dieu. Je ne peux geen ander woord hebben dan het woord van God. Et ainsi on comprend que lorsque nous falsifions la parole de Dieu, nous changeons la parole de Dieu. Nous présentons un autre Dieu. Nous présentons un autre God. Et comprenez que parce qu'il est jaloux. Il est allé voir
une sorcière. Une heks. Pour une église. Une maagdeur gaan bezoeken om Samuel te wekken. Et quand Samuel est venu, wanneer Samuel wordt gewekt, pourquoi tu trouves à consommer? Waarom stoor je mijn slaap? Vous fallait me laisser dormir. Donc, vous allez comprendre que si tu crois à cela, tu ne seras pas sauvé parce que la parole qui t'est présentée n'est pas Dieu, mais c'est dit trop. Voilà pourquoi, lorsque si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, le word from God, tu amènes un autre homme dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit les pécheurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on comprend? Parce que Dieu est jaloux. Et sa jalousie, c'est ma colère. Sa colère, c'est le feu. C'est ce que les amis disent. Voilà pourquoi on dit ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Et les amis se sont. Yeshaya 66 au verset 15, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Want kijk, de Heer zal komen met vuur en snelle wagens van vervloeking, en hij zal zijn toren als een vuur alles laten branden. Voilà pourquoi vous allez comprendre que daarom ga je begrijpen. Un homme jaloux, un jaloers man, c'est un homme colérique, c'est un man die boos is. Il est colérique tout le temps, agressif, altijd agressief, n'est-ce pas? Dat waar? Pourquoi? Parce que c'est jaloux, se transforme en colère, transformeert zich in woede. Et nous comprenons, je vais vous begrijpen, que Dieu, God, sera sans pitié, hij zal geen genade pour ceux qui ne veulent pas accomplir sa parole. Zijn woord niet willen laten uitkomen. Et la Bible dit ceci. En de Bijbel zegt: les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et le fleuve ne le submergerait pas. Geen water kan de liefde doven, geen rivier kan de liefde wegspoelen. Donc, comprenons que l'amour. Dus we begrijpen dat de liefde. Calant pour nous. Wanneer de man voor ons. Les grandes sous. De peuvent éteindre cela. Die kunnen dat niet doven, de liefde voor de man. Calant, tu fermes les yeux comme ça. Je ogen. Tu imagines. Je wilt je in Louvier. Daar komt een grote golf. En mijn amour bleu. Wat een amour. Oh, vous allez comprendre. Je gaat begrijpen. Que la Bible est en train de voir le ministre. C'est dat ons aan de bid. Que les grandes eaux, les grandes lacs, ce sont les hommes, dat zijn mensen, ce sont les nations, dat zijn de naties. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, dus we zijn in chapitre 17 van Openbaring, au verset 1, hoofdstuk 17, vers 1. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand zon. Een van de zeven engelen met de zeven schalen zei tegen mij: kom, ik zal je laten zien onder welk orgel de grote hoer valt die aan vele waterwegen zit. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van wijn en van haar ontucht. Au verset 15, vers 15, il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. De waterwegen die u hebt gezien, waar de hoer aan zit, zijn alle rassen, volken, stammen en talen. Donc nous comprenons que je begrijp, elle est assise sous le grand de son. Et la Bible démontre qu'elle a commis l'impudicité avec tout le roi de la terre. Met elke koning. Et les habitants de la terre, de bewoners, sont ivres, ze zijn dronken, de son vin de l'impudicité. Or, le vin, c'est l'enseignement. Is
l'onction. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Le monde est sous l'onction de l'Église, sous l'enseignement de l'Église. Voilà pourquoi tu ne dois pas croire que la vérité est détenue par la majorité. Les œuvres d'art qui sont là-bas, de l'appréciation.
collection in a boutique que nous avons. De kunstwerken die reflecteren eigenlijk de Et c'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle
je présent. Dat je niet, dat je eigenlijk niet de tijd van nu moet volgen. Et je le fais. Non, mais. Non, mais vous voulez être comme les autres. Oui, vous voulez être comme les autres. Mais vous allez subir aussi les publicités. Comme les autres. Parce que les autres attirent. Les autres trekken les monnaies. Let's go on break. Tu ne seras pas béni parce que tu vas pécher facilement.
zondag. Mais quand tu gagnes l'argent à la sueur de ton front, geld verdient met heel veel moeite. Même si tu n'as pas de seigneur, zelfs als je de Heer, tu peux voir une prostituée comme celle de une prostituée. Je viens de souffrir. Il y a mal être de Dieu. Mais pas prendre l'argent du maître. Et donner à cette prostituée. Ah non. Simplement parce que tu as le fait, ça va te garder. Mais si tu l'avais gagné, quand tu vois une prostituée, on va partager aussi. Croyez-le. Et tu peux laisser la prostituée. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux gagner de l'argent, c'est par le travail. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit la sélection de ce siècle a été faite. Mais nous étant venus de la vallée, la Bible dit malgré les épines, malgré les blessures, nous poussons. Nous manifestons la vie de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Car nous avons l'amour de Dieu. Le livre de ma compte. La Bible dit, les fleuves ne peuvent submerger l'amour du Seigneur. Le livre dit que le reste. Voilà. Lisons une écriture. Dans Ésaïe 59. Yeshaya 59. Ésaïe 59. C'est Yeshaya 59. Au verset 19. Vers 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En uiteindelijk zullen zij de naam van God van oost tot west vrezen en verheerlijken. Want hij zal komen als een vloedgolf, voortgedreven door de adem van de Heer. Donc vous comprenez que le fleuve ici dat die golf hier, est pris comme l'ennemi de water die er, qui vient. Als een et lorsqu'il vient, als water, c'est pour nous faire du mal. Die vijand komt ons eigenlijk om ons pijn te doen. Op het moment van Ezeïe 9. Dat is Jesaja 9. Nou, je crois que c'est Ezeïe 7. Nog een Jesaja 7. Non, c'est 8. Nee, wacht, Jesaja 8. Ezeïe 8. Jesaja 8. Je commence op verset 5. L'Éternel me parla encore et me dit. Toen sprak de Heer opnieuw tegen mij en zei. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet des rétines et du fils de Remalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Jusqu'au verset 7. Omdat de Israëlieten het rustig kabbelende water naar de Siloam weigeren en het beter vinden, leger van Assur tegen koning Rezin en koning Pekah te dood te roepen. Zal ik mijn volk overweldigen met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de koning van Assur, en al zijn machtige legers zullen tegen hen optrekken. Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden en het land van Juda binnenvolgen, ook in Imamia en het tot in de verste hoeken van onder water zetten. Dus wij zien dat l'ennemi vient comme le fleuve, dat wanneer de vijand komt als zijn een golf, il vient pour nous tuer. Komt ons te doen. Il vient pour faire des dégâts. Il vient pour pouvoir réellement nous anéantir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 12, le serpent qui était en train de poursuivre la femme va lancer l'espace de l'eau. Au verset 15. Apocalypse 12, verset 15. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le
aangevloeid. De slang spuugde de vrouw een stroom water achterna, die haar en zijn vier mee moest sleuren. Moest meesleuren. Donc, tu vas comprendre que, je gaat begrijpen, si le diable ne t'atteint pas par la séduction, als de duivel jou niets kan verleiden, il va pouvoir t'atteindre par des problèmes. Dan gaat hij je problemen eigenlijk overspoelen. Amener des difficultés dans ta vie. Amener des problèmes dans ta vie. Amener des chamailleries dans ta vie. Amener des lucides. Est-ce que vous comprenez? Donc ne t'en fais pas. Parce que ma crise, oui. Vous savez, quand on pense au diable, comme ça n'est pas le diable, on pense toujours, mais peut-être en passant. Le voisin du coin là qui ne règle pas. Du but, le diable peut l'utiliser. Il faut nous en faire. Le diable peut l'utiliser. Le diable peut l'utiliser. Il peut rater dans la maison. Comme un diamant. Comme un fleuve d'eau. Comme quand on passe le ventre. Est-ce que vous comprenez? Quand il a de l'eau. Il a une âme. Quand tu ne comprends rien. Je suis mix de frère. L'amour de Dieu. Je dis, je m'en faute. Submergé. Direct vers le. Est-ce que vous comprenez? Là. Non. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Bon, heureusement, nous, comme on n'est pas comme les autres, on ne t'a pas fini. Ouais, pour les pires et les meilleurs. Pour le fou d'être. Mais t'étais là. Pourquoi vous ne voulez pas que nous soyons pour les pires et les meilleurs? Au verset 35.
Dus Romeinen 8, vers 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Wat kan ons ooit van de liefde van God scheiden, van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood. Ça c'est le fleuve. Dat is die water. Est-ce que ça va submerger notre foi? Gaat dat ons geloof wegspoelen? Selon qu'il est écrit. Zoals het geschreven is. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Wij lezen in de psalmen, ter wille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ja, maar in al die omstandigheden hebben wij dankzij hem die zoveel van ons houdt de overwinning. Nous sommes vainqueurs par l'amour. Door de liefde. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour supporte liefde. Verdraagt alles. L'amour pardonne liefde. Vergeet alles. L'amour de liefde. Est-ce qu'on comprend? C'est par l'amour. C'est de nous a aimés. Nous a rendu plus que vainqueurs. Meer dan overwinnaars. Car j'ai l'assurance, want ik heb de verzekering, ni la mort, dat nog de dood, ni la vie, nog het leven, ni les anges, nog de engelen, ni les dominations, nog de kracht, ni les choses, de dingen van vandaag, ni les choses à venir, nog de dingen van morgen, ni les puissances, nog ni la hauteur, nog de ni la profondeur, nog de diepte, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Er is geen enkel ding dat ons kan scheiden van de liefde van God die ons gegeven heeft is in Christus. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Que le gros du sang, dus dat die water et le feu ne peuvent réellement venir à bout de l'amour de notre Dieu. Die kunnen onze liefde niet wegspoelen. Voilà pourquoi, comme daarom, les amis de Daniel, zoals de vrienden van Daniel, quand on venait le mettre dans le feu, wanneer ze hem in het vuur wilden zetten, le roi de la vie, zei de koning, prosternez seulement, ga gewoon neerknielen. Ils ont dit, zijn. Nous n'allons pas le faire. We gaan het niet doen. Mais on va vous jeter dans le feu. We gaan jullie in het vuur gooien. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Il staat om ons te bevrijden. C'est que j'aime. En waar ik van hou. Même si il ne le fait pas, als hij het niet doet. Voilà. Begrijpen. Même si il ne le fait pas, als hij het niet doet. Nous n'allons pas le prospérer. Nous préférons mourir. We gaan liever sterven. Est-ce qu'on prie? Parce qu'ils avaient l'amour de la parole. Ils croyaient en Dieu. Et la Bible dit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le péché. Zelfs als iemand al zijn bezittingen bood in ruil voor de liefde, zou hem dat niet baten. C'est normal. Het is normaal. Quand on a tout laissé, we hebben alles achtergelaten. On est en train de nous critiquer. Mais alors, ce sera notre critique en premier. Voyez-vous, tu as abandonné ce que tu faisais. Tu es allé dans le secte. Dans le secte. Oui, mais comme aussi on a appelé ça secte. C'est tout à fait normal. C'est normal. Que les monnaies ne puissent pas accepter. Que nous puissions tout abandonner et suivre le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le monde va nous maîtriser. Mais le Seigneur est sauvé. Parce que lui aussi, il a tout abandonné à cause de l'amour de la livre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on l'a méprisé. On a méprisé le Seigneur parce qu'il avait tout abandonné. La loi. L'abandonné, les hommages, il est devenu comme un simple homme. On l'a méprisé, on l'a pris, on l'a mis à la porte. C'est normal aussi que tu t'es décidé de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Le même monde, en disant de lui, comme il a méprisé le Seigneur, quand le Seigneur dit, le monde qui m'a haï, va vous haïr. C'est pourquoi. Moi, je ne m'étonne pas. Quand je regarde et je trouve que le monde n'aime pas l'évangile de l'Église,
C'est normal. Parce qu'il n'aime pas la parole, il n'aime pas la vérité. Est-ce que vous voyez? Quand le monde commence à t'appeler, il est en place, fais attention. Pensons, tu dois te poser la question. Oui, je le crois. Y a-t-il pas de la modernité en vous qui fait plaisir au monde? La modernité. Is er geen aardse verlangen in mij, zodat ze mij een zo'n applaus geven? Les hommes le savent. Mensen weten het. Ceux qui s'assemblent. Zij die zich verzamelen. C'est récent. Die lijkt op. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous êtes. Zo is het. J'ai vu un extrait là. Ik heb iets gezien. Un chanteur connu. Dat was een tête échappé. Dat was een tête. Après. Un de ses petits a fait une danse. On dirait que ça l'avait échappé. Après, lui-même commence à taper. Dès que l'homme a fait. Ça me souvient. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a compris que l'homme qui a du plaisir avec sa musique. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom puissant.